Salut! Ça va, Marion? Ça va, et vous? Ouais, voilà, on va se filer comme d'habitude le matin, mais ça va, elle est contente d'arriver, je pense. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée? Ouais, et moi je vais partir travailler. Je vais faire un gros bisou. Allez, à ce soir! Let's go, Valentine! Je vous invite à ranger le matériel parce qu'on va aller dans la salle à côté de la salle motricité. Ce que je vous propose... Oh, il y a trop de bruit là, je ne suis pas du tout d'accord. Vous êtes en activité avec moi. Donc on essaye d'être présent à ce qui se passe, ok? Retour au calme. Et maintenant, je vous invite à prendre la démarche la plus bizarre possible. Ah, Chloé, je crois qu'elle est déjà pas mal là. Ce serait quoi une démarche bizarre? Mom Bordeaux, c'est un accueil artistique et culturel pour les enfants. On accueille les enfants le soir après l'école, les mercredis et pendant les vacances scolaires. On va récupérer les enfants dans les différentes écoles du quartier à partir de 16h30. Les enfants reviennent ici, goûtent, font leurs devoirs. Puis les artistes animateurs leur proposent un atelier artistique. Et de 18h30 à 19h30, les parents peuvent venir les chercher. On a fait une étude sociométrique qui nous a permis de voir qu'on avait beaucoup de familles monoparentales dans le quartier, qu'on avait aussi beaucoup de familles avec enfants, des familles un peu fragilisées, avec des problématiques de garde d'enfants. Et beaucoup de personnes sans emploi. Comment répondre aux besoins de ces populations? C'était vraiment l'objectif aussi, c'était de redynamiser le quartier parce qu'il y avait de vraies attentes en termes associatifs et de propositions, d'animation. Mais tout ça, ça se travaille en amont, c'est-à-dire qu'il y a des réunions de partenaires qui permettent à toutes les structures de se réunir, mais pas que des associations, les bailleurs, les institutions, la mairie, et qui permet de coordonner des projets, qui permet d'éviter des doublons, en tout cas de travailler ensemble pour que les projets soient beaucoup plus cohérents sur le territoire. Le but est d'adresser quatre grands enjeux. Pour les parents, la conciliation des temps vie pro-vie perso. Pour les enfants, permettre à chaque enfant, quel que soit son milieu social, d'accéder aux arts et à la culture. Pour les habitants du quartier, de créer un lieu de rencontre, un lieu de vie et de dynamiser la vie de quartier. Et enfin, de permettre aux artistes de se rapprocher de l'emploi en leur permettant d'avoir une activité, donc l'animation en lien avec leur pratique artistique. Ça me permet, quand mon fils vient dans cette association-là, de me dégager du temps pour moi ou pour mes recherches d'emploi ou démarches administratives. Donc du coup, tout le monde trouve son compte. Eux trouvent des nouveaux enfants, les enfants sont contents parce qu'ils font des super projets. Et moi, ça, je suis détendue parce que je peux faire confiance à cette structure. C'était vraiment ce côté, en fait, découverte artistique, découverte de soi, parce que ça passe aussi par la découverte de soi. Et là, il touche vraiment l'art au sens large du terme. Donc aussi bien la découverte corporelle, la peinture, les ombres. Il découvre en même temps des peintres, des artistes. Ils font des sorties à côté, ils ont des actions avec des EHPAD. Vous voyez, cette relation aussi sociale, pour le coup, qui est hyper importante et qu'on essaie vraiment d'inculquer à Valentine aussi, parce que c'est la vie en société. Oh, la saucisse. Oh, la saucisse. Ça, on va le mettre là-haut. Et regarde, ils sont des jumeaux. Sauf que lui, il n'a pas le plus fait longtemps. Mais pourquoi tu mets les bâtonnages en derrière? Moi, j'ai dit à ma mère, quand je suis arrivée, j'ai dit que c'était trop bien ici. Mais c'est vrai, c'est bien. Mais c'est quoi qui est trop c'est bien? C'est tout, les activités qu'on fait et les choses, elles sont souvent hyper bien. Mais tout, en ascenseur.
En fait, ça me semble un peu évident qu'il y a tout un tas de choses de la culture qui échappent complètement à des enfants qui sont un peu éloignés du centre-ville, par exemple. Parce qu'en fait, c'est des vrais outils d'émancipation et des vrais outils aussi pour la suite, en fait, pour former des citoyens qui soient un peu éveillés et ouverts, qui puissent se poser des questions. La vraie réussite, c'est quand ce qu'on a produit avec eux, c'est exporté dans leur intimité, ça va être exposé au mur, ça va être dans leur chambre, et c'est là qu'on sait qu'il y a quelque chose qui a été transmis, il me semble. Nous avons un métier qui a du sens, et ce n'est pas qu'une formule, c'est loger les personnes les plus fragiles, et les collaborateurs, comme les dirigeants de l'entreprise, ont vraiment décidé de renforcer cet aspect-là de notre activité. Nous développons des actions avec différentes associations, dans différents quartiers. Donc l'exemple que nous avons avec Momouest est assez représentatif de notre action. C'est souvent des actions dans la dentelle, ce ne sont pas des actions à grande échelle, mais nous cherchons à répondre à des besoins spécifiques sur des territoires qui en ont besoin. Le bilan, on démarre une nouvelle année scolaire et on a une explosion des inscriptions. Donc on a le constat au bout d'un an, ce qui est très bon en termes de résultats, qu'on répond à un besoin de la population. Les enfants, vous vous souvenez de la règle, Valentine, s'il te plaît, on attend que tous les copains soient servis. C'est dans l'authenticité qu'il se passe des choses, c'est dans la rencontre. C'est dans la rencontre avec des gens, avec des objets, avec une œuvre d'art, avec un morceau de musique. Enfin, c'est possible que ce soit des enfants qui soient biberonnés à la télévision. Et c'est précieux qu'ils puissent avoir accès à ce genre de choses ici. Ouais.